qui en a sous le casque. Regardez l'Andorin qui, pour l'instant, fait un bon parcours. Il skie vraiment bien, c'est un jeune Andorran, prend beaucoup de risques, très bien posé. 21 ans seulement ce garçon, qui n'a pas fini à Wengen et à Chamonix en Coupe du Monde, que 3 Coupes du Monde, hein, en combiné et même super combiné, 2 super combinés. Une seconde d'avance, ah c'est bien ce qu'il fait pour l'instant, la belle attitude. Et ben voilà, on va avoir des surprises aujourd'hui et ça nous fait plaisir parce qu'il n'y a pas que les champions qui font... les courses, ce sont les courses qui forment les champions de demain. Et Esteve Errigueil est en train de faire quelle attitude, un gros coup. À plat ventre, comme on dit chez nous. Écoutez l'ovation du public qui s'y connaît ici pour cet endroit. Une seconde et demie. Bravo. Et c'est parce qu'il a des bonnes lunettes. Et un bon masque. Et un bon masque, c'est ça, regardez. Ah, joli. Pourquoi vous dites ça alors? Explication. Explication, parce qu'il a un casque de Neria, moi je peux le dire, et des lunettes de Neria. Je peux pas le dire. Il pouvait pas le dire, Antoine, mais je l'ai vu. Il l'a vu, regardez le D sur le casque ici. Ça fait des lunettes de champion olympique, mais regardez, oui monsieur. Un autre champion olympique, Ted Ligeti, qui est en train de se préparer. Or à ses côtés, Kevin. C'est vrai que j'adore l'Andorre et que tous ceux qui commentent le Tour de France adorent l'Andorre car il y a très souvent des étapes en Andorre dans la principauté. Et aujourd'hui, c'est un skieur que nous recevons, Kevin Esteve, tout juste 20 ans et troisième pour l'instant de cette descente du combiné. C'est bien? Oui, oui, content, assez surpris. Moi, j'ai fait ma descente et finalement, ça s'est bien passé, ouais. Il y a une bonne école de ski en Andorre. C'est aussi un endroit où on skie beaucoup. Il y a de très belles stations, bien sûr. Oui, 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 c'est sûr. Là-bas, on commence assez jeune, mais après, il y a un peu de... Il manque un peu de... aux écoles, mais pour voir ce qui est plus jeune et tout. Mais finalement, après, avec la fédération, il y a un bon travail qui est en train de faire. Et je pense que notre groupe est en train de bien monter pour un jour bien faire, j'espère. Vous êtes très jeune, vous avez tout une moyenne d'âge de 20-21 ans, c'est ça qui est étonnant. Oui, oui, c'est sûr que j'ai un long chemin à faire encore devant. Aujourd'hui, c'est un bon truc que je fais, c'est une bonne expérience surtout pour mon suivi et j'espère continuer comme ça. Merci Kevin, merci beaucoup.